Bonsoir, c'est Klindor. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode techniquement de Luigi's Mansion 3. On se lance tout de suite dans l'histoire. Je vais vous passer bien entendu les temps de chargement, tout ça sert à rien. Alors oui, je suis dans le couloir, je suis plus chambre 504. Ou point de passage, je ne suis plus à ces endroits-là, je ne suis plus au point de passage. Hein. Pourquoi, disons que mon logiciel de capture a oublié d'enregistrer ma voix. Du coup, je vais vous faire une petite, un court résumé de ce qui s'est passé, puisque au moins ça a réussi à capturer le jeu. Au moins. Bon, comme vous avez pu voir, nous avons battu un boss. Ah, un bal qui vole. Et du coup, nous devons rendre la valise. Toujours pas trop de boutons pour courir. Hein. Rendre la valise au professeur Catastrophe. C'est marrant, il bouge la tête. Quand on change, c'est bien, écoute, ça me permet de bien. C'est un petit élément de décor. Sympa. Oui, bon, oui, c'est long là. Ah, c'est ouvert. Et du coup, il avait fait. C'était dans un truc en part, qui était rangé dans le coffre de sa voiture. On ne demandait pas où se trouve le moteur, si là il n'y a rien et là il n'y a rien. Je ne sais pas moi-même où il se trouve. Baby, tu es le retour. Je te suis écrit de me rendre ma valise. Voilà. Nous allons pas pouvoir utiliser ça au combat. Mon comptage n'empêche malheureusement de chasser des aventures. Plutôt que d'abandonner ma passion, je me suis créé un assistant. Ok, un bébé de Death Stranding. Cool, génial. Laisse-moi te présenter la toute dernière invention du génial professeur Catastrophe, Luigi. Sa conception ne s'est pas faite sans rencontre, mais quelqu'un m'a été attesté de prototype. Pardon, je n'en vois pas l'utilité. Calme-toi, mon garçon, calme-toi. Luigi, peux-tu te retourner, s'il te plaît? Je voudrais connecter celui-ci. Ceci est ton place, aigu. Oula. Ah, il est ouvert maintenant. C'est mon bébé, c'est ça. Il est temps d'entraîner si tu peux bien me suivre dehors. Oui, papy. Oh. Ah oui.
aïe. Il a quand même fait ça en 2 secondes quand même. Non. Tu es pris au piège, Luigi. Oh, allons, garçon. Je plaisante, enfin. Cet entraînement requiert malheureusement de t'enfermer dans une cage. Pourquoi? Eh bien, parce que je dois devoir sortir de Luigi. Avant Luigi, on a mis en sur eux. Pour le renvoyer de l'ectoplasme au glu. À plus de fois, j'ai glu. Ma cape. Et voilà, je te présente. Merde. Et voilà, je te présente ton nouvel assistant personnel. Il s'appelle Gluty. Gluty peut se faufiler dans un endroit étroit, comme au travers d'une grille ou l'intérieur d'une bouche d'aération. Son corps est totalement maniable. En somme, c'est mon chef-d'œuvre, facile, mais le à l'essai. Mais c'est pas le problème, c'est à me sortir de... à me faire sortir de mon corps. Quelle sensation désagréable. Très bien, tu ne devrais pas avoir trop de mal à le contrôler, puisqu'il a les mêmes déplacements que toi. Ah, autre chose, comme tu es présent, appuie deux fois sur pour permuter entre vous deux. Ah non, appuie une fois, ok. Ok. Tu n'es pas imperméable. Tu n'es pas imperméable. Au moindre contact de l'eau, il se dissout immédiatement. T'as dû garder ceci à l'esprit. Ok. Fou quand même. Ouais, je me disais bien, on peut pas accéder. Ouais. Voilà. Ok. Je vais faire quelque chose pendant mon côté, moi. Ouais, tout. Je vais pas lui parler non plus. Ah ok, voilà, comme ça. Comme je dis, qui joue depuis sur lui pour pas le tourner avec lui. Ouais, mais je pensais que ça allait arrêter. D'ailleurs, tu peux le faire en plein milieu d'une action, comme par exemple lorsque tu dis que tu as plus glu. Je peux faire ça. Bravo Luigi, ton entraînement est terminé. Je peux te confier que Luigi serait mort. Retournons au labo. Attends, il vient de se pisser dessus là. Pour se situer. Bravo Luigi, c'est excellent mon garçon. C'est d'ailleurs quelque chose à te dire. Les capteurs du labo ont détecté un petit mot pour le moins mystérieux. Viens donc toi qui s'agirait d'une tour très impressionnante qui est déposée juste à côté de cet hôtel. Je suis bien conscient que papa ne cesse de trouver tes proches, mais tu peux trouver le temps d'aller y jeter un œil, non? Je parie qu'un groupe de fantômes, ça pour mettre tes aptitudes à l'épreuve tout en rendant service à la science. J'ai d'ailleurs un accès à cette tour depuis le labo. Il te suffit de sectionner multijoueur, puis tout rentrer. Pantas. Ah, avant, j'oublie. Si tu te sens un peu seul, ou si tu as besoin de te détendre, tu peux jouer au jeu de l'étrange. Jusqu'à 8 joueurs peuvent y prendre part. Et comme on le dit si bien, plus on est de fous, plus on rit. Bon, on dirait que j'ai perdu le fil. Ah oui, ça me revient. Tu as maintenant accès à un nouveau niveau. Pour l'instant, pour te rendre au 3e niveau. Yes.
Oui, explorateur. Oui, en plus, la porte qui marque dessus. Mais attendez, du coup. Cette gemme. Si je me trompe pas, c'est ce bouton-là. Le chaos émeraude. Je sors un petit peu sur les tableaux, sur les côtés, pour voir si c'est pas des trucs intéressants. Ce qui pourrait être sûr à nous d'être fort utile ou non. Étage 3. Je sais qu'on n'est pas encore allé. Regarde-moi. Faudrait mettre une musique d'ascenseur ici. Cinématique. C'est la cafette, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air d'être la cafette. Ouais. C'est fermé. Il faut une clé. Je peux... Non. Oh, il y a un trou dessus. Ah, on peut pas aller ici, les toilettes ne marchent pas. Et tant mieux, parce qu'il se passe toujours plein de choses dans la toilette. Est-ce que ça sert à un coffre? Bon, écoute, si on peut le récupérer, je sais pas où, quand. Un petit peu d'argent, c'est pas énorme. Ah non, je suis mauvais bouton, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. Ma vote, j'ai fait. Je me suis stoppé les boutons. Un livre. Yeah. Hello. Non. Ça répond pas. On peut lire un livre? Non. Le seul endroit où je vois qu'on peut aller, bah, c'est les toilettes. Hein. J'ai dû manquer un truc, je manque quelque chose. Non, c'est pas ça que je voulais, parce que je vois dans le miroir qu'il y a une bougie coup. Je suis dessus là, si vous êtes dans le miroir. Non, je... Je sais bien qu'il y a une boule d'égout, mais on fait comment pour y aller? Par là. Comme ça peut-être, ouais.
Exact. Oh, une clé. Allez, hop là, on la range l'aspirateur. J'avais juste oublié quand tu pouvais. Que tu pouvais balancer des petites vingt touches là. Tac! Avoir la peluche. Bah, je me demande bien à quoi ça sert là. Il y a une sorte de bouche d'égout dans les toilettes là. GG? Parti où là? Maintenant c'est la clé. Ouvre la porte. Encore une cinématique. Garde. FBI. Enfin, c'est le levier du pauvre là. C'est comme un fantôme. C'est un fantôme qui a peur des fantômes. Oh le con. Oula. L'animation n'est pas faite pour marcher pas vite. Elle n'est pas faite pour ça. Il fait pas de bruit, il est peut-être à côté. Étage numéro 2. Un cœur. Pas mal ça. Ça c'est la porte étoile, on peut pas y aller. Moi j'ai la porte losange. Non c'est pas ça, non. Non. Ah, pourquoi tu l'as sorti? Ah, losange. C'est ça, ouais. Pourquoi tu l'as fou? Kinder, l'homme très con qui n'arrive pas à résoudre. C'est sûr que c'est hyper simple, mais moi j'y arrive pas. Yeah. Ah oui, putain, mais arrêtez de me rappeler, catastrophe. J'espère que vous étiez utile. N'oublie pas qu'il est assez malléable. Pour que c'est dans son vrai exigu. N'hésite pas à faire appel à lui. Merci de me le rappeler, je l'avais oublié. Transporter. Il a réussi à transporter avec lui. Luigi. Il est tout gluant. Avec les cœurs. Hein. Thank you.
Non, entends-toi. Aïe, mais ça... Tac! 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 Oula, je l'ai vu, genre direct, hein. Ah! Je vais chercher le cœur, vite fait. Wow! Ah! Raté. Raté! Ouh, bah toi aussi t'as raté. Tac! 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 Les deux d'un coup! Il croyait avoir quelque chose de gluant, encore plus gluant que... C'est Volugi, c'est Volugi. Ah, je vais t'appeler comme ça, Volugi. Des chapeaux. Chapi-chapeau. Casse. Je peux pas les péter les casses, bon, tant pis. Hein. Ah, j'aurais peut-être pu les utiliser contre eux. On sait rien. Merci. Si c'est avec les cœurs, ouais. J'ai encore besoin de lui. C'est désagréable comme sensation. Et je crois qu'ils vont encore nous mettre des photos. Ah, ça marche pas. Ah bah non, ah mais je suis con. J'ai quand même réussi à confondre un cœur avec un pic. Quentin, t'es le meilleur. Je vais passer par dessus là. Yeah, la clé. C'était pas la porte de... Je vais la rechercher la clé. La clé cœur, c'était pas la clé du... Du policier là? Non, c'est la clé d'étoile. Yeah. Là c'est avec les pics. Elle doit être en bas là, alors la porte. Exact, je vois la porte cœur et la porte trèfle. Ça va être compliqué cet épisode. Ah, hop. Ah, attendez. Bah oui. Écoute, pendant ça, on aspire toi. Je suis un peu... C'est un miroir? Oui, c'est un miroir. Oui, oui, c'est un miroir. Oh. Ouais, exact. Oh, la montagne d'argent. La montagne d'argent. Oh.
Ouais, je contrôle la boîte. Bah, pas de difficulté. Pour moi, je sais que mon argent. C'est le mien. J'ai stocké ici. Quand je suis rentré. Wow. Wow. Oh putain. J'ai bourré. Voilà. La clé de pique cette fois-ci. Ouais, j'aurais pas besoin. En fait, j'aurais pas besoin de faire toujours reprendre les yeux tout ça. Ouais, mais. Les boubous, les boubous. Ah bah ça c'est pas sympa. Ah il y a des lingots ici. Voilà. Des lingots. Non l'araignée, on a voulu me faire peur. Oh, la référence au plan Piranha. Hein? Cette boule lumineuse ne va pas arrêter avec le révélostop. Utilise-le dans des endroits suspects. Wow! Oh, je l'attrape. Mais je dis, c'est excité d'un tout d'un coup là. Tadam! La clé de trèfle. La dernière clé. Last key. Un fantôme avec des lunettes. Oh mon dieu! Il a des lunettes! Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, tu sais, c'est tes lunettes. Merde. Tac. 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 Non, je me trompe de bouton en fait. Tu fais chier, voilà, hop là. Tu fais chier, voilà, hop là. Tac, tu m'as fait trop chier. Ramassons un petit peu toutes les petites pièces et tout. Voilà. Ah. Les fantômes s'amusent. Voilà. On arrête de s'amuser. Je sais pas si on peut y aller par là. Non, pas l'impression. Non, je trouve que c'est trop lent.
Ah oui, j'ai oublié de la reprendre. Mais... J'arrive. C'est quoi si on prend en sens inverse? Si ça nous recule? Ah, ça nous ralentira, ouais. Ah, pour descendre, descendre les escalators. Ensuite, il faut aussi passer là-dedans. Je fais Luigi, il peut lui. Non. Il peut pas. C'est bien ça le problème. Ok, ok. Ça ralentit mais quoi, ça passe, regardez. C'est un peu plus long, c'est vrai. Config, comment on pourrait y entrer? Si ça se trouve, en fait, faut pas rentrer maintenant. Je vais voir là-dedans, est-ce qu'on peut genre frapper à la porte? Bonjour. Je peux vous aider? N'a pas l'air de convenir, car là, quand même, elle pourra toujours servir. Ouais, je sais, mais je veux juste l'attirer. On peut pas l'attirer. Non, il est dans une autre salle, c'est pour ça, on peut pas attirer les gens qui sont dans une autre salle. Ah, peut-être avec le Rivolu machin là. Oui, j'aurais peut-être pas dû prendre cet escalier là. Oui. Mais oui, je sais. Ah, mais c'est quand même un peu compliqué en vrai de. Ah. Je comprends ce qu'il faut faire, je comprends ce qu'il faut faire. Je lui dis, viens là. Ah, t'as pas besoin de cette clé réellement en fait, mais bon. Voilà, Spire. Tu montes ça. Vu sur la 3. Vas-y, enfin, voilà. C'est pas ça? Ah oui, j'étais réveillé pendant quelques secondes, mais il s'est tué. Ah. Yeah. Ouh. Je sais pas pourquoi je le savais. J'essaie de le mettre dedans. Hein. J'en ai qu'un. Oh putain, j'ai aspiré des ciseaux, je crois. Ah, c'est dangereux. Hein. J'entends un gros bruit. Il y a un bruit de chien. C'est pas bien, ça, je le sais. Hein. Bonjour. Ça hein non, 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 cache, cache, non, 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 dégage juste de la salle, voilà, 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 dégage de la salle. Oh non, il a fondu. Tant pis, j'ai quand même la clé.
Oh non, ça s'est arrêté. Oh, dommage. Pas grave, hein, j'avance. Hein. Allez, 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 pense à toi. Un fantôme! Il n'y aura pas! Non! Oh, oh la vache! Ah, il fait mal. C'est hyper chaud. Viens. Alors. C'était ta dernière erreur. Merde, toi aussi, ma dernière. Tiens, on reprend. Ok, je vois, il faut l'attraper. Faut le prendre par la queue. C'est quand même assez dégueulasse de dire. Faut le prendre quelqu'un par la queue. Vite, 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 vite. Hop. Voilà, voilà, la queue, la queue, la queue, la queue, la queue. Tac. C'était sa dernière erreur. Une erreur fatale. Eh bien, on peut dire que t'es du genre parce qu'il sait faire. Je me mets tout que t'es réussi à l'attraper. Je pensais que t'allais crever comme une vieille mère. Histoire 13 était une de mes recherches. Continue comme ça, mon garçon. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. C'était Lindor. Allez. Ciao, ciao.